Archakaishwara, 24 Asami, prêtre officiant au temple Chinnathirupati Devalayam à Grande Rivière Nord-Ouest, nous donne davantage d'explications sur la fête Ugadi. Namaskaram. Et moi, c'est Archaka Iswara Venkatasami, Asthan Archakudu de Chinnathirupati Devalayam. Ugadi même, c'est le nouvel an Telugu, d'après nos calendriers lunaires. Et nous célébrons dans Chaitra Shukla Padihami. Et Chaitra, c'est premier mois de Salané là même. Et Shukla, c'est une période de 15 jours, la lune montée. Et Padihami, c'est premier jour de ça, moi, qui nous appelle Chaitra là. Il y a aussi le Vasantaritu qui commençait ce jour-là, c'est-à-dire première saison de l'année. Et selon nos croyances, Brahma Devudu, Lord Brahma, qui commence à créer l'univers dans sa jour propice-là même. Et aussi, Yuga décrit un des nombreux noms de Mahavishnu, qui est Yugadi. Et ça aussi, à partir de ce jour-là même, qui commence à créer Ben Yugam. Et aussi, le Chaitra Navami, comme aussi nous appelons Rama Navami, il commençait à partir du jour de Ugadi et il durait pendant 9 jours. Sur ce, Mujesutu Sri Shobakrut Nama Telugu Ugadi Shubhakankshalu Namaskaram Danyavadam. Narain Sami Sanyasi, président du Morshasa Telugu Mahasabha, nous explique que l'Ugadi Pachadi est une offrande préparée spécialement pour la fête Ugadi à base de 6 différents ingrédients. Andarikina Namaskaramulu, Morshasa Telugu Mahasabha Pedutarafan Andarikina Namaskaramulu. Aujourd'hui, c'est la fête Ugadi qui est célébrée chaque année à l'île Maurice avec beaucoup de ferveur. Et Ugadi, c'est un nouvel an de la communauté Telugu. Et Ugadi lui-même est un de l'aspect. Il y a l'aspect culturel et l'aspect religieux. Alors, au niveau du Morshasa Telugu Mahasabha, nous pouvons le lire, accueillir le secrétaire général qui peut donner un petit peu les activités qu'il nous compte organiser. Mais ici, nous, Chinnathirupati, qui est tout dans l'enceinte de nos headquarters du Morshasa Telugu Mahasabha, c'est le Sivan Kati Sora Devalayam, comme on tourne devant eux. Le jour d'Ugadi, nous avons plusieurs bonnes activités qui concernent la fête directement. Et ce qui aujourd'hui nous met un petit peu plus l'emphase, le Ugadi Pachadi qui nous préparait à l'occasion d'Ugadi. Ugadi Pachadi est un prasadam qui nous préparait spécialement le jour d'Ugadi, qui les préparait avec 6 différents ingrédients, du sel, du sucre, du tamarin, feuilles de lilas de perse, mangue verte et piment vert. Les 6 différentes saveurs de l'Ugadi Pachadi représentent les différents aspects de la vie au quotidien, ajoute Naren Sami Sanyasi. Alors, quand vous avez un peu d'ingrédients qui nous servent là, il donne 6 différentes saveurs. Ces 6 différentes saveurs là, les représente un petit peu de la vie de tous les jours. Un quelqu'un qui lève le matin et de la joie. Un jour, il lève un petit peu sale. Un jour, il peut lever un petit peu avec colère. Alors, ce qui ça veut dire, quand on peut prendre ça, ou garder Pachadi, côte, il y a doux, acre, amer, salé, faux, qui veut dire, ça peut représenter un petit peu de la vie de tous les jours. Alors, si vous regardez qu'il nous peut prendre ça, il nous peut dire, Bhagavan, à partir d'aujourd'hui, le nouvel an, nous peut prendre ça pour ça, dame là. Alors, nous peut accepter la vie comme elle était tous les jours. Même qu'il nous donne la joie, même qu'il nous donne la tristesse, même qu'il nous donne le chagrin, qui veut dire pour nous, c'est la vie, nous devons accepter la vie comme elle était tous les jours. Alors c'est ça un petit peu le symbolisme de ça Ugadi Pachadi là. Et ça nous prend ça en famille, à la maison aussi nous pouvons parler. Et quand nous parlons de Nouban Alayam aussi là-bas, quand la prière finit, ça aussi nous pour préparer, nous pour distribuer à tout Nouban Devo. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter la grande famille mauricienne une joyeuse fête Ugadi. Si Shri Shobakut Nama Telugu Ugadi, Dharam Rajuna Rensami, secrétaire général du Morshasa Telugu Mahasabha, met l'accent sur les célébrations qui se feront en grande pompe après 2 ans de restrictions sanitaires. Mais un des climats, ça prie, mon namaskara. Après Covid,
presque 2 ans, nous avons fait nous fait tout garder en grand pompe. Alors cette année-ci, tout nous avons fait tout le goût, et fait avec beaucoup de vigueur. Pendant le week-end, pour tout ce que nous allons, pour tout ce que nous fait culturel, de manière régionale, tout le monde famille vient en grand nombre. C'est un grand succès. Ça a démontré que nos riches valeurs, Telugu, pour ça fait tout garder là, il y a encore là. Mais un délégué, Sri Subrakutnama Ogadi, Subakanchula. Top FM souhaite à Sri Shobakrut Nama Ugadi Subakankshelu à tous ceux qui fêtent Ugadi. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.